Oh non, Pajou, tu devais nous emmener au cirque. Mais pauvre chérie, je suis désolée. Je vais te soigner. Oh non, t'es gentille, mais je préfère que tu me laisses. Appelle grand-père, il va nous emmener à ta place. J'y ai pensé, mon poussin, mais vous n'avez vraiment pas de chance. Grand-père va arriver trop tard pour le début du spectacle. Quand je serai grand, j'aurai mon cirque à moi. Avec des lions. Oh, j'aurais bien aimé aller au cirque. On n'a qu'à faire le cirque ici, maintenant, tout de suite. Ici, à la maison. Mais comment? Voilà le programme. Pour la première fois à Paris, des numéros époustouflants. Des acrobaties. Du jonglage. Et des lions. Et voilà le programme. Il nous faut des costumes. Des accessoires. Oui. Ah. Hey. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Si tu fais un numéro, Toto. Ça m'étonnerait. Le grand cirque des tripletis est arrivé dans votre chambre. Avec des numéros à couper le souffle. On l'applaudit bien fort. Oh, quelle imagination. Et maintenant, le chien équilibriste. Toto, comme ça. Faire le beau, moi, ça m'étonnera. Allez, Toto. Hé, hey, Toto, reviens. Oh, ça suffit. Le spectacle est terminé. Mais tu n'as pas encore vu le numéro de trampoline. Arrêtez tout de suite. Génial. Allô, papa, tu es bientôt là? Oh, il y a urgence. Du jonglage. Ah. Oh là là. Et hop. Oh, oh zut. Oh là. Et maintenant, les éléphants.
chérie, qu'est-ce qui se passe? J'en ai assez de tout ce cirque. Un cirque! J'ai toujours rêvé d'en faire! Oh! Vas-y, grand-père! Hurrah! Merci, grand-père! Hop, là, hop, 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 hop! Oh, oh, oh! Wow, wow. Oh. Ah, là, 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 là. Hop! Grand-père! Aïe, mon genou. Tout va bien, les enfants. Bravo, grand-père. Tu es le plus fort. Regarde, grand-père. On fait tout comme toi. Oui, enfin, pas trop quand même, hein, les enfants? Il y a quelqu'un? Un dragon! Un vrai dragon à combattre! Enfin! Il faut tout faire quand on est une princesse moderne. Oh, ce n'est pas un travail pour une princesse! Grand-père, grand-père, il y a un dragon dans les toilettes. Un dragon? Montrez-moi ça. Tu vas voir, il est drôlement féroce. Oh. Ah oui, je vois. C'est ça, votre dragon? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais régler le problème. Toi, la plus mignonne des princesses. On a un héros dans la famille. Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie? Des dragons de ce genre? Oh, énormément. J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon. Et puis, il y avait aussi le dragon du grille-pain. Terrible, celui-là. Et le dragon de la machine à laver. Oh là là! Mais je savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père. Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi? Mais non! Les enfants... Oh, et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé. Ah! On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père. Réveille-toi! Le dragon est revenu! Vite! Ta princesse est en danger! Il est en colère! Non! Il a faim! Attendez! On n'a qu'à lui donner quelque chose à manger! Tu crois qu'il aime la salade? C'est pas un lapin! C'est un dragon! On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise! Mais non! Un dragon, ça mange de la viande! Crue! Bien rouge! Ah! Ah! On a
qu'à lui donner le rôti, alors. Vite, cachons-nous. Ça a l'air bon, ça. Ça y est, je l'entends. Il est en train de le dévorer. Il fait plein de bruit, il doit être énorme. Plus rien, notre plan a marché. Il a mangé tout le rôti. C'est bon. Tu crois que je peux y aller? Ouais, pas de problème. Il n'a plus faim maintenant. Coucou. Tout s'est bien passé? Allô? Ah, bien. Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés? Ah, vous êtes déjà à la porte. J'arrive, je vous ouvre. Bonjour. Bonjour, entrez. Je vous accompagne. Ah, je vois ce que c'est. Il a encore faim. Le rôti, ce n'était pas assez. Un dragon, ça mange beaucoup plus. Tu te rends compte? Il aurait pu me manger. Eh ben, le dragon n'aura qu'à manger le monsieur. Hein? Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs en fer. Mais non, en fait, il ne risque pas de se faire manger. C'est un chasseur de dragons, un vrai. Voilà, vous ne serez plus inquiétés. Waouh! Ça alors, il ne vous a pas dévoré? Oh. Merci beaucoup, monsieur le plombier. Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons. Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur. Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon. Mais nous, on le savait quand même. Elle est gentille, maman. Bon alors, ce rôti, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pas nous, c'est le dragon. Oh? C'est bon d'être...